Et c'est l'euphorie qui a caractérisé la clôture de la célébration des noces d'été de la Jisai Cotonou Prestige ce samedi 10 novembre 2018 à Porto Novo. Après avoir impacté pendant 10 ans les communautés, nous voici réunis ce soir pour partager un repas. Parce que les 10 prochaines années à venir seront encore plus exaltantes avec l'engagement de chacun et de chacune. Au nom du président Jidas Odilon Serlin, président national 2018 de la Junction Internationale Bénin, je me permets de faire cet exercice de rendre mémoire et hommage à tous ceux-là, des vivants comme des morts, qui ont travaillé à la construction et l'édification de cette organisation qu'est la Jisai Cotonou Prestige. Nous, Abidjan Prestige, nous sommes heureux d'avoir contribué à l'histoire de la Jeune Chambre internationale Cotonou Prestige. Un pari gagné pour le passe-président Philippe Avaroui, président du comité de coordination de la célébration des 10 ans d'existence de la Jisai Cotonou Prestige. C'est un privilège. Et vous comprenez l'immense joie qui m'anime en ce moment. Joie, oui, mais aussi fierté, car une organisation qui arrive à 10 ans d'existence montre qu'elle a eu un parcours aux bases solides et un développement durable. Pour le premier président de cette nouvelle ère, Baudelaire Coutant-Bouillon, après 2 semaines d'activité intense à l'occasion de la célébration de ces noces d'été, l'heure n'est plus au discours. 10 ans, ça se fête. C'est ce qui nous réunit ici ce soir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, point de place à de longs mots. Nous sommes ici pour fêter et nous allons fêter véritablement. À la fermeture d'une page, dit-on, cette nouvelle qui s'ouvre. Et la Jisai Cotonou Prestige vient d'en fermer une et c'est ainsi parti pour de nouveaux défis.